Eh bien, bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, donc de retour pour poursuivre mes aventures sur ce jeu palpitant, In the Running, où je suis donc arrivé ici, dans cette grande ville, et je vais donc aller discuter avec un clampin qui habite là-dedans. Donc c'est parti. Ça avant, on va le toucher pour se remettre en point de sauvegarde et entrons dans ce bâtiment. À la baraque de bourgeois. Petit tour dans la maison, pour voir s'il y a des trucs intéressants ou pas, vous voyez, hein. C'est quoi ça? Ah. On peut parler? Il y a de plus en plus de fugitifs ces derniers temps. Ça va partir en couille. Je fais de mon mieux pour les retrouver, mais je dois admettre que c'est beaucoup de travail. À ce que je vois, vous avez l'air de savoir vous défendre. Alors que diriez-vous de vous occuper de certains d'entre eux? Vous serez récompensé, bien entendu. C'est d'accord? Des fugitifs. Alors, ça c'est ok. Une autre mi ça c'est des missions annexes qui sont à faire. Vous avez trouvé des fugitifs? Ah ouais, d'accord, ok. Alors que les fugitifs, ça nous permet d'avoir des nouvelles tenues. Bah, stylé. Oh la vache! Ah ouais, d'accord. Ah, il en faut un paquet. Hein. Vous voulez autre chose? J'ai bien peur que vous n'ayez pas encore mérité cette récompense. Ouais, d'accord. Vous voulez autre chose? 15 personnes. Putain, cette tenue-là. 20. Je dois déverrouiller 21 personnes. Sa mère. Ouah, 85 personnes. Ouah. Mais bon, ça va être des trucs stylés, ça. Bon, je ferai ça plus tard, hein. Je vous souhaite bonne chance. Et toi là, est-ce que Que tu vous vends le faut-il? techno? Alors, on peut améliorer l'équipement. Ouais, vas-y, j'améliore. Ça vous ira comme un gant, vous verrez. Ah d'accord, je peux plus améliorer. Ok, et eh ben c'est cette mission-là, elle est vraiment intéressante, hein. Alors, on peut faire de la vente. Que vous faut-il? Bon, je vais vendre des trucs qui ne servent à rien. Autre chose? Merci. On va descendre beaucoup plus bas. Autre chose? Autre chose? Autre chose? Autre chose? Autre chose? Merci. Merci.
Que vous faut-il? Alors là... Je sais pas comment ça fonctionne, ça. Je peux tout renforcer. Que vous faut-il? Autre chose? Je peux tout renforcer. C'est bon, faut 19. Ok, bon. À bientôt. C'est déjà pas mal ce que je me suis tapé là. Bon, il y a eu le pecno là. Cinématique. Rendez-vous compte. Avec cette découverte, le charbon du Japon sera à vous. Vous n'aurez plus du tout à vous inquiéter pour le combustible. Il s'avère que vous aviez raison. Gardez un œil sur cette affaire, d'accord? Ah, quand on parle du loup. Mon ami, voulez-vous votre récompense maintenant? Je vous suis redevable. Tenez, prenez ce qui vous revient. Commodore, voici mon... pardon, notre amie. Celle dont je vous ai parlé. C'est grâce à elle que nous avons pu obtenir le charbon. Croyez-moi, votre réputation dépassera de loin celle de votre frère. À présent, si vous voulez bien m'excuser, le travail m'attend. À bientôt. Vous avez aidé Samuel. Et la voix de The Rock. Enfin, t'as rien. Pourquoi est-il votre frère? Mon frère commandait un navire, lui aussi. Il a combattu les Britanniques. Mais la maladie l'a emporté dans la fleur de l'âge. J'aimerais tant le revoir. Mais passons. Je me souviens de votre visage, vous savez. N'ayez crainte. Votre partenaire m'a tout dit à votre sujet. Cela doit vous surprendre, j'imagine. Mais c'est vrai, j'ai sauvé votre partenaire. Rassurez-vous, j'ai fait table rase du passé. Oh! Vous avez sauvé? Vous... Ah putain, les choix de merde. Vous avez sauvé. Vous êtes bien bon, merci. Putain, je vais prendre quoi? Ah les amis, vous me direz dans les commentaires quel choix vous aurez choisi. Je vais répondre celui-là, moi. Vous savez, si vous voulez me remercier, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Mes hommes semblent avoir pris pour habitude d'en découdre avec les expulsionnistes au port. Je veux que cela cesse. Si nous les affrontons ouvertement, notre position auprès de votre grande nation en pâtira. Mais ils doivent payer pour leurs actes. Qu'en dites-vous? Pourriez-vous aller corriger ces misérables expulsionnistes pour moi? Comprenez-moi. Je sais que vous êtes une guerrière, mais je ne veux pas d'un bain de sang. Cela n'arrangerait personne. S'il devait y avoir des victimes, mon peuple risquerait d'être encore moins le bienvenu. Faites ce que vous pouvez, d'accord? Bon. D'accord. Début de la mission. Alors. Que désirez-vous? À bientôt. À plus tard. Oh.
pas si ça. Je vais planter trop le joystick. Bon chien. Bon là, ça il fait un peu chier de me faire tourner en bourrique. Quoi que j'y arrive. Pas la peine de mentir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous ne voyez que ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau? Oh, qui c'est celle-là? Elle est avec vous? Je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce que vous voulez? La violence. Vous cherchez juste une excuse pour nous agresser. Oh putain, les choix de merde. Bon, vous avez raison. Vous l'avez échappé belle, bande de vauriens. J'imagine que vous êtes en train de remercier votre bonne étoile. Non mais quel culot! Je vais vous régler votre compte! Ah mais non! Non, je vais pas vers 700. Je vais être diplomate. Bah j'étais diplomate en recoupant la tête. Pardon pour le désordre provoqué par mes hommes. Eh ben, ça s'est enfin calmé. Dire que ces étrangers voulaient juste en savoir plus sur nos méthodes de chasse à la baleine. En retour, ils nous auraient enseigné des techniques de lutte de leur pays. Personne ne cherchait de noise à personne. Cet homme dit vrai, nous étions en train de leur apprendre la lutte américaine. Merci d'avoir dissipé le doute. C'est naturel. D'ailleurs, j'y pense. Je ne sais pas si je devrais vous raconter ça, mais... J'ai entendu quelqu'un discuter avec un samouraï expulsionniste. Il parlait de convaincre les gouvernants d'arrêter de commercer avec les autres pays. Si c'était le cas, ça voudrait dire que les étrangers devraient rentrer chez eux. Ça ne me paraît pas très juste. Mmh. Et ben voilà. Mission pour la paix. En tant que diplomate. Oh, j'ai un à 10 là ici. Oh, c'est hard. Ils sont où?
Quoique là, je suis pas le bienvenu. J'ai besoin de ton aide. Oh merde, le con. Je l'ai pas vu, lui. Je ferai mieux la prochaine fois. Jack l'éventreur, lui, avec ses haches. Oh, il est intuable. Oh. Ah, je me casse. Chier, toi, gros bâtard. Sur la moitié. Bon, l'autre, je sais où qu'il est, j'ai trouvé. Il faut que j'aille le chercher.
Eh ben merci pour le coffre et le matos, ça fait plaisir. Une petite tenue sympathique. Je verrai ce qu'elle m'apporte comme... comme truc. Allez, j'en ai plus que deux à trouver, ils sont... Le chien de la casse! Il m'a pété le fils de pute! Et le PNJ là que j'ai libéré, il a rien branlé! Mais nique ta mère, bon, sérieux! Putain de jeu de merde! Vengeance. Vengeance. J'espère que tu vas pouvoir te battre ce coup-ci, tu vas pas faire comme tu m'as pas laissé dans la merde. Un jeu d'enfant. Il n'y en a plus qu'un. J'ai l'indication d'une photo, alors... Cette clips. C'était le clips. Voilà, ça c'est fait, c'est libéré. Négocier la paix, bah c'est terminé. Ok. C'est radical. Bon là, j'ai un truc à prendre en photo.
Voilà, succès. Re-succès. Ah ouais, celle-ci, elle va vouloir son pesant de cacahuètes. Et bien les amis, sur ce, ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Ciao, ciao!